Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui je profite que les parents et les enfants soient chez papy mamie pour une petite heure. Alors, on va parler des objets juste au cas où parce que j'ai énormément de demandes sur comment je fais, j'arrive à désencombrer telle ou telle chose, mais j'ai vraiment du mal avec ces objets juste au cas où. Donc je vais vous donner mes pistes de réflexion à moi. Je vais aussi vous donner parfois les compromis à faire avec votre compagnon ou votre compagne parce que des fois il faut trouver le juste milieu, n'est-ce pas? Et surtout s'il n'est pas minimaliste. Bref, du coup, je vais vous parler de tout ça, mais tout d'abord, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous appelez, vous, les objets juste au cas où? Est-ce l'ancienne chasse, vous venez de remplacer votre chasse et vous dites je vais garder les pièces parce qu'on ne sait jamais que la nouvelle chasse lâche, à dire trois fois d'affilée, et qu'il faille remplacer une pièce et comme ça je l'ai sous la main. Ou peut-être que vous venez de changer votre pommeau de douche et vous vous dites on ne sait jamais que j'en ai besoin si je change d'appartement, ce truc-là ne fonctionnera pas, j'aurais peut-être besoin de l'ancien. Ça? Ou est-ce que vous avez plutôt deux aspirateurs et vous vous dites on ne sait jamais qu'il y en a un qui lâche? Ou vous venez de changer de je ne sais pas quoi, de batterie de cuisine et vous vous dites on ne sait jamais que je n'aime pas ces poils et tout ça, ou que ça accroche de trop, au moins j'aurai des autres. Voilà. Est-ce que c'est de ce genre d'objet-là qu'on parle? Est-ce qu'on est bien d'accord? Ou est-ce que vous vous dites, tiens, ce jeans, là, il me va plus, mais peut-être que je vais perdre du poids ou reprendre du poids, donc autant le garder. Vous voyez, pour moi, c'est ce genre d'objet-là que j'ai en tête. Où on retrouve une pièce par terre, on ne sait pas quoi, une vis, où on se dit, c'est pas ce que c'est, je vais le mettre, on ne sait jamais, hein. Je le mets là. Ok, donc si on parle bien de ces objets-là, on est sur la même longueur d'onde. Alors, il y a plusieurs choses à constater déjà. Est-ce que vous en avez beaucoup? Essayez de quantifier l'espace que tous ces objets prennent chez vous. Pourquoi pas essayer de tous les rassembler à la Marie Kondo et vous rendre compte que ouh, ça me prend tout un placard ou tiens, tout mon grenier ou tout mon garage en est blindé, on est plein. Première astuce. Demandez-vous si vous ne pouvez pas utiliser cet espace autrement. Peut-être que vous avez toujours rêvé d'avoir une pièce en plus et que vous pouvez réaménager les combles pour vous faire votre bureau au calme ou un truc comme ça, ou le garage ou en salle de jeu, j'en sais rien. Peut-être que vous vous dites, tiens, je manque de place, il va falloir que je me rachète un meuble pour ci, pour ça. Peut-être que si vous vous débarrassez de la moitié des objets juste au cas où, vous aurez de la place pour ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je ne sais pas parler aujourd'hui, tout va bien. Pensez à ça. Pensez au mètre carré que ça prend. Et on dit toujours, oui, ça coûte trop cher de s'en débarrasser quand on devra si on en a besoin par après, on va devoir racheter de l'argent, ces objets, alors que on les avait, c'est une perte d'argent. Pensez plutôt à l'inverse, combien de mètres carrés ça occupe. Et peut-être que parfois on veut chercher une maison plus grande alors qu'en fait si on débarrasse la pièce de débarras qui en fait est juste au cas où, on n'a plus besoin de déménager, donc de s'endetter encore plus avec l'hypothèque. Bon, ça c'est avec le prêt, ça c'est le cas super extrême, hein, mais voilà, ça peut. Ça peut aussi vous prendre ben, tout simplement un peu d'espace de vie, vous grignoter votre espace mental, parce que si ça prend l'espace dans les meubles, ça veut dire qu'il y a d'autres objets qui traînent un peu partout que vous n'avez pas pu ranger dans ces meubles, et mine de rien, ça vous ronge, et ça on s'en rend pas tout de suite compte, c'est quand on fait le gros tri qu'on s'en rend compte, qu'on est beaucoup plus apaisé. Bref, j'ai deux astuces pour vous. Il y a la règle, alors c'est pas moi qui l'ai inventée, ça vient du site The Minimalist. Vous savez bien que je les aime bien, les minimalistes. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps d'ailleurs sur eux, il y a 3-4 ans peut-être. Et eux, ils ont une règle assez simple, c'est en dollars, mais ça marche aussi en euros. Si un objet coûte moins de 20 euros, on vous parie
qu'en moins de 20 minutes, vous pouvez le remplacer pour moins de 20 euros. Et surtout, ça prend beaucoup trop de place. Du coup, en fait, ça résout le souci de tous les objets de moins de 20 euros. Cette fameuse chasse, ce pommeau de douche, etc., etc. Tout ça, s'ils sont encore utiles, enfin, peuvent être utilisés, donnez-les à des associations, à, je sais pas, mon Resto du Cœur, etc. Ça peut aider des gens dans le besoin. Mais voilà, moi j'ai aussi l'autre pendant de vous dire, est-ce que c'est une raclette que vous avez en tête, un appareil à raclette? Est-ce que c'est un gaufrier? Est-ce que vous faites ce genre de repas tous les jours, tous les mois, tous les 6 mois? Est-ce que vous ne pouvez pas plutôt demander à prêter à des amis l'appareil à raclette? Par exemple, vous invitez des amis chez vous et dites « j'ai envie de faire une raclette ». Bon, par contre, j'ai plus d'appareil à raclette. Est-ce que tu peux apporter le tien? Je m'occupe du reste. Voilà, c'est nickel, non? En général, beaucoup de gens ont des appareils à raclette. Sachez que vous pouvez aussi les louer. Il y a des sites où vous pouvez trouver pour louer. D'ailleurs, même quand vous allez à la montagne, certains commerces de stations de ski permettent de louer des barbecues en été ou des raclettes en hiver. Donc, c'est toujours une bonne petite idée. Voilà. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de toujours racheter. On peut demander à prêter. Même pareil, vous avez un mariage, vous voulez avoir une belle robe, demandez à des amis s'ils ont une robe à vous prêter, ou une cousine, même votre mère peut-être. Voilà. Maintenant, ça, je vérifie si j'ai rien oublié, ça peut régler les objets de moins de 20 euros. Et vous allez voir que c'est très rare qu'on va avoir à nouveau besoin de racheter ce genre de choses. Et quand c'est le cas, on se sent pas... Enfin, moi en tout cas, je me dis pas « Ah mince, si j'avais su !» Parce que non, je vois l'espace qu'on a gagné et le gain de paix intérieure qu'on a gagné. Après, il y a des objets de plus de 20 euros, évidemment, qu'on peut avoir en double. Alors, si c'est en double, moi j'ai envie de vous dire... C'est aussi simple que... Prêtez-le à quelqu'un. Passez-le à quelqu'un de votre entourage, et si ça, vous en avez besoin tout d'un coup parce que le premier a lâché ou quoi, de redemander-le à prêter, le temps de voir comment vous allez faire. Je pense à l'aspirateur par exemple. Maintenant, j'ai oublié dans les moins de 20 euros, je pense à ces petits jeans. Ça peut rentrer dans les moins de 20 euros parce que quand on veut les revendre, ça va coûter moins de 20 euros, même si c'était un Levi's, etc. Ça va coûter moins de 20 euros. Ne gardez pas de vêtements qui ne vous vont pas. Parce que ça fait un poids sur votre mental. À chaque fois que vous allez ouvrir votre armoire ou autre, vous allez vous dire c'est dommage, ce jeans il aurait été super bien avec ce haut mais je ne rentre pas dedans. Génial, on n'a pas déjà assez avec les pubs et tout ça à se saboter soi-même que de se dire ça inconsciemment à chaque fois qu'on ouvre son armoire. Donc ces vêtements, virez-les. Peut-être que vous retrouverez votre taille et à ce moment-là, vous aurez envie de vous faire plaisir et de vous acheter d'autres vêtements sur le marché de l'occasion, en mode éthique, écologique, mais vous aurez envie de vous récompenser d'avoir de nouveau la forme que vous vouliez ou je ne sais quoi. Vous allez avoir envie de vous refaire plaisir à ce niveau-là. Je ne sais pas. C'est ma façon de penser en tout cas. Quoi d'autre ? Les plus de 20 euros. Donc si c'est plus de 20 euros, donc vous pouvez soit vous-même le mettre en location sur le site, sur un site. Si maintenant ça vous saoule de vous en occuper tout le temps et tout, parce que c'est vrai que ça va être pas mal d'aller-retour, vendez-le tout simplement ou donnez-le. Voilà. Et si vous les vendez, avec cet argent, au pire, vous pouvez le mettre de côté dans un truc d'épargne ou quoi, et vous vous dites si j'en ai besoin vraiment, j'ai l'argent. Donc, c'est pas perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez gagné en espace intérieur, en espace mental, et vous aurez l'argent si vous avez besoin de remplacer quelque chose qui a lâché, donc vous aviez le doublon ou pas. Et vous allez voir, vous n'allez même pas vous rappeler de si vous aviez le doublon ou pas. Ça, c'est ce que je dis moi. Après, nous, on s'était débarrassé il y a 4 ans, 5 ans, d'une imprimante que nous avons revendue
Et à cette époque-là, j'étais mère au foyer. Mon compagnon travaille dans une société informatique, et donc il peut faire les copies ou les imprimeries comme il a, enfin les impressions comme il en veut, comme il le désire. Oh, je ne sais vraiment pas parler aujourd'hui. Et du coup, on l'a revendu. Et il se trouve que maintenant, je suis donc prof, notamment prof à domicile, et que ça serait bien parfois d'avoir l'occasion de faire des copies et des scans, etc. Et surtout qu'avec le confinement, on n'a plus accès à l'imprimante du boulot. Mais c'est des trucs de fou, enfin, jamais on aurait imaginé. Donc là, on est en attente d'avoir de nouveau l'imprimante qui arrive. Et voilà, c'est le seul achat que je peux penser. Je dis, ah oui, on a racheté une imprimante. Je ne sais plus à combien on l'avait vendue, mais je crois qu'on avait dû la vendre à 30 ou 40 euros. On en a racheté une, je ne sais plus si c'est 70 ou 80 euros. Voilà, mais en 4 ans, on a perdu 40 euros. Waouh! Sachant qu'on a revendu plein d'autres choses, donc on a gagné beaucoup plus. J'avais fait un jour le calcul. Moi, j'avais calculé que j'avais réussi à récupérer 1500 euros de mes possessions. C'est d'argent que j'ai pas mal réutilisé quand j'étais en congé parental, puisque du coup, moi, j'avais pas vraiment de revenus. Et 390 euros de la CAF. Bref, du coup, ça m'a bien aidé justement pour vivre et pour aider la famille, justement. Voilà. Voilà, voilà. Pensez aux gains de temps que ça peut vous donner de revendre vos objets juste au cas où, au gain de place et à la liberté que cela peut vous donner. Et vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'avoir une si grande maison. Vous pouvez peut-être prendre plus petit. Et donc, vous pourrez peut-être travailler moins d'heures, demander un 80%, un 3/4 temps, passer plus de temps à faire ce que vous avez envie. Voilà, pensez à ça. Dites-moi là en commentaire si ça vous a aidé, motivé, si vous dites elle est complètement barge. Voilà. Et aimez pour que les autres abonnés voient cette vidéo. J'aurais peut-être dû le dire ça plus tôt. Bref. Et à bientôt. Ciao.